Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, l'ère de glace. Ne pas confondre avec le film, beaucoup plus récent que 1995, Ice Age. Tout un set, Ice Age. Beaucoup de cartes, 350. Ouais. Riche. Je sais pas le nombre exact, mais c'est un gros set. On venait de sortir de Fallen et 4e édition, qui était à l'époque. Ben, Fallen toujours aujourd'hui pas fameux, 4e édition à l'époque qui était pas vraiment aimé, en tout cas dans mon groupe de joueurs. Puis là, Ice Age, c'était du nouveau, c'est un nouveau core set. Nouveau, ils ont introduit, ils ont repris comme un peu Legend avait introduit les gold. Beaucoup de gold cards, beaucoup de multicolores. Puis là, dans Ice Age, il y a des cartes qui ont... Il y a des cartes qui demeurent jouables. Un deck de Legacy ou de Vintage... Bon, peut-être pas Vintage, mais peut-être Legacy, c'est pas impossible de voir un Diabolic Vision. Ou un Commander avec un Altar. Ben, la Commander, c'est tellement nouveau dans la game, là, que là, c'est ça, ça refait remonter des prix de cartes, comme ça ici, c'est un tutor, en vert et blanc. Lui ici, c'est un wipe de créature. Surtout en Commander, t'as 40 points de vie. Tu peux en revoler des petites créatures avec ça. Quand même, Ice Age, là, il faut pas... Quand ça a sorti Ice Age, tu ouvrais les paquets, t'étais déçu, mais il fallait lire les cartes. Moi, j'ai joué avec ça, même si c'est très poche. 5-0. J'ai joué avec Him to Rebirth. Même si c'était pas. Ça devait être parce que je jouais en bleu et noir. Bon. Mais dans Ice Age, il y a certaines cartes qui sont vraiment. Il y a des affaires aujourd'hui qui sont encore recherchées. Comme. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. Ça ici. Blinking Spirit. À l'époque, on jouait, oui. Ouais. Reviens. Clique. Ça a commencé. Reprint de Dissension. On va leur donner ça dans Ice Age. Ils ont fait des reprints. Ils ont changé les dessins. C'est des dessins qui sont demeurés des classiques aussi. Enduring Renewal à l'époque qui était très, très, très populaire. Il y a des... Il y a aussi des... La soirée longue? Il y avait des... Ouais, il y avait des cartes comme les scarabs qui appelaient toutes les couleurs. Ouais, ils remplaçaient les wards par des scarabs. Ils ont modifié un petit peu. C'est pas des... Il y avait encore cette thématique-là, un peu aujourd'hui, qu'on voit de moins en moins. Il y a quelques cartes qu'on va voir comme... ça, j'ai joué ça. Lord of the White Shield qui remplaçait un petit peu le White Knight. Ouais. Sword, un autre dessin qui est classique. Celle-là ici, ouais, ça c'est Seraph. Seraph, ben, c'était. Ça prenait. Il y avait. T'avais deux versions. Attaque-moi, forcé. Ouais. Netting Him ou Norit en Ice Age. Singir Vampire pour le booster. Puis. Seraph pour prendre le contrôle. Il y avait des cartes qui étaient assez bizarres. Elvish Druid qui coûtait une fortune à activer. Ice Age, c'est le royaume du Cumulative Upkeep, ouais, aussi une nouvelle vrai. Mécanique qu'on n'aimait pas. La carte qui avait Cumulative Upkeep, tu la jouais pas. Ah non, à l'époque, c'était... Tu regardes les cartes qui sont Cumulative Upkeep dans Ice Age, ils sont majoritairement pas bonnes. Puis ils sont c'est une habileté contre le joueur qui la joue. Ça venait trop cher, trop vite, surtout pour ce que la carte faisait. Ben, on va en voir quelques-unes que, pour le fun, on a déjà joué avec. L'ancêtre de Tarmogoyf. Ouais, le Lurgoyf. Alors, si on se rappelle, sur MTGQ, on a fait des parties avec des decks préconstruits des années début 2000, fin 99 puis 2000. Lurgoyf était dedans. Je pense que cette partie-là, je pense que quand il avait été mis sur le jeu, elle avait été gagnée, la partie. Windigo, Scale Worm, on en parle souvent. C'était à cause du dessin, mais lui il était aussi sur le. Ça il était présent sur la boîte, sur les paquets. Mais tu sais, c'était une grosse. Ça vaut rien, mais tu sais, c'est le gros check, c'est gros. Ouais. Shambling Strider, j'ai fait un deck autour de ça en vert rouge. Les dessins des reprints. C'est des reprints Black Border Ice Age. Ouais. C'est ça qui est fun à retenir aussi. Les pains de l'âme? Ah, oui, il y avait dans le Roland, lui, là, c'est, il t'arrive dans Ice Age, lui, en premier. C'est un Willow the Whips en vert. Mais pour trois, ouais. Ouais. Puis là,
Ils peignent les originaux. Les originaux peignent les Painland originaux. Et les Dual Land, un tour sur deux. Un tour sur deux, c'est ça. Il y a beaucoup de multicolores dans Ice Age, mais ils ont donné un core de land pour s'en sortir. Puis ça, c'est les originaux. Là. Après ça, ils ont été réimprimés souvent. Mais... Puis lui, ben, quand t'étais mal pris, je dis pas t'en mets 4 dans un deck, mais quand t'en as besoin. Ben déjà, à Ice Age, les Dual Land avaient pris de la valeur, ils étaient beaucoup plus rares. Ceux-là étaient accessibles pour les nouveaux joueurs facilement. Ouais. Puis, t'avais des joueurs qui connaissaient pas beaucoup la game, ils se disaient, ben non, je peux pas me faire un dommage en me faisant un mana, je vais me faire des manas à tous les tours. Non, mais il faut regarder, là. Il fait un colorless. Ouais. Et si t'as besoin d'aller chercher la couleur qui te manque là, un Painland va peut-être te faire 3, 4 à hésiter mal pris, 5 dommages dans la partie, mais c'est parce que vraiment, tu mets quelque chose pour gagner. C'est ça, les laines, 3 prints. Et la quatrième, Snowcover. Avec la mention enneigée. Les montants, quand même, Ice Age, je les aime pas mal aussi. Oui, t'as beau les laines d'Ice Age. Surtout le. C'est des laines Black Border. Oui. Un dessin ici que j'aime beaucoup aussi. Ice Manipulator. Le retour du Ice Manipulator qui n'avait pas été imprimé en Revive ni en quatrième. Fait que la dernière impression était Don Limit. Ouais, 93, ben je sais pas, c'est rien que 2 ans. Là. Ouais, mais. Pour nous, là, c'est loin, mais t'as Alpha, Beta, Unlimit, t'avais des Ice Manipulator. C'est ça. Après ça, ils l'ont enlevé. Puis Ice Age. Ils l'ont fait en Ice Age. Ouais. Jester's Cap, qui était le flagship de la série. Jester's Cap, Jester's Mask, je me rappelle, quand tu as sorti, 20 pierres chaque. Ouais, tu les voulais. Ils voulaient. C'était pas. Non, c'était pas une. Non. Il n'y a pas. Salut aussi, même chose. L'archétuel. Bon, ça, si, là, ça, c'est un tutor. Ça, c'est quand tu vas chercher. Tu espères juste qu'il n'est pas dans tes 6 premières. Oui, c'est après ça, tu vas chercher la carte que tu as besoin. Oui. Pas compliqué. Tu cherches tant que tu n'appognes pas. Ici, après ça, on a des Destroy. Dark Banishing qui coûtait plus cher que Terror. Lui qui coûte le même prix qu'un Animate Dead. Mais qui booste. Ouais, comme on disait avant la pause. La pause d'un téléphone. C'est. Moi, Dance of the Dead, j'avais dans un deck que je voulais jouer dans le graveyard, j'en mettais 2. Parce que quand t'as assez le mana, tu sais, ben, il est plus fort un peu. Puis, tu sais, il y avait des. C'était pas des reprints, des fois, c'est des continuités. Où, là, des cartes légèrement avec des coups modifiés ou des habilités qui sont un peu différentes. Ça, moi, j'ai toujours Hécatombe. Le Swamp, là, il n'y a pas Urbog, est loin de Ice Age. Non, c'est là. Ça. Très, très loin de Ice Age. Là. Mais encore, un Swamp, boum. Le petit lémur qui était donc bien cute. Ouais. Petune Laine. Ouais. Puis si c'est Snow Covered, ben, c'est encore mieux. Et ça, Sinkhole sort à 2. Ouais. Arrêté d'être imprimé en. Unlimited. Là, on recommence avec Ice Age. Un peu comme le Ice Manipulator, etc. Mais là, c'est pas la même carte. Mind Warp. Nécropotence. Nécropotence. Là, on a parlé beaucoup de Lord of the Pit puis de Breeding. Breeding Pit. Pit. Est-ce qu'il y avait ce qu'ils avaient pensé à le shot quand on a fait le Breeding Pit, etc. Je sais pas, mais ici, il y en a une qui dépassait de beaucoup. Oh, oui, mais Lord of the Pit. Chaque... Destroy, target, créature, all in. Mais lui, si tu sacs pas une créature, tu le tapes puis tu fais des dommages. En tout cas, c'est. Mais ouais, bon, c'est plus bon, là. Mais c'était bon, c'était fort, c'était gros. Tu veux faire descendre tout le monde? Un tiers de tout. Un tiers des points de vie, un tiers des cartes, un tiers de la main. Je te dirais que tu sors sans commander au début de la partie. Tu limites d'un tiers. Netting Imp avec une détapage de bleu créature, Norit. Puis j'ai joué avec ça. Le dessin, il est tellement hot. Oui, le dessin. Il est tellement hot, le dessin. Non, les dessins d'Ice Age, c'est encore... Violent, quand même. Quand on vient de Vampire, les dessins étaient encore super adultes, matures. Oui. Ça, la mort, tu sais. C'est... Après ça... Dans le bleu, Brainstorm, Counterspell. Premier bleu, 1, puis je 3 cartes depuis, là. Oui, Ancestral Record, ça n'a rien, là. Tu piges pas à 1 bleu, tu piges pas, là. Counterspell, un dessin qui est toujours... on va dire... pas historique, mais. Voyons. Il demeure, tu vois ce dessin-là, tu sais que c'est un counterspell, puis tu vois le counterspell original. Après ça, les autres dessins, bon, faut que tu lises le nom quasiment pour savoir si c'est un counterspell. Déflexion, on a joué avec ça. Ouais, ça.
Animatoire. Animatoire, l'animatoire. Hey, 7-4 flying first strike. Moi, tu vas. Cumulative upkeep, tu vas pas le garder trop longtemps. Un exemple de cumulative upkeep, dans le bleu, je sais pas pourquoi c'était populaire. Illusion de grandeur aussi. Ça, ça peut te sauver la vie un bon bout. Surtout si t'as déjà un stack de créatures ouais. qui va prendre le dessus après 2-3 attaques, là. T'es capable de payer une couple de fois le cumulative upkeep. Cumulative upkeep, là, pour les jeunes joueurs qui nous regardent, puis que ça existe plus pendant tout, là, cumulative upkeep de 2, ça veut dire. Premier tour, 2 mana. Deuxième tour, 4. C'est ça. Troisième tour, 6. Tu cumules 2. À chaque fois. À chaque fois. Fait qu'un cumulative upkeep de 2, là, ça dure pas longtemps. Lui, il rentre en jeu, plus 20 vies, il part du jeu, moins 20 vies. Ouais. 2-3 tours, tu gagnes la game, et voilà. Il y en avait une en noir, cumulative upkeep, un mana noir, un point de vie. Fait que ouais, ça peut débouler rapidement. C'est ça. Comme lui ici, versus Air Elemental, versus Serra Angel, versus Sengir Vampire, les 4-4 flying de ce temps-là. Qui coûtait 5. Qui coûtait 5, t'étais un tour d'avance. Ouais. Puis, à cumulative upkeep de 1 bleu, juste en le castant, t'es capable de. Peut-être bien 1, 2 tours, 3 tours, t'essaies d'attaquer une fois, peut-être 2, puis de bloquer une fois, puis de le péter pour en bloquer. En tout cas. C'est dans ce temps-là, toujours, on s'entend. Mystic Remora, qui est lui en Commander, il jouait beaucoup parce que avec le cumulative upkeep, on s'entend qu'en Commander, ton carte du joueur normalement. Fait que ton cumulative upkeep, c'est juste à ton tour. Fait qu'à trois fois que quelqu'un joue quelque chose, tu peux piger des cartes. Là, ça... Ouais, ça va plus vite. Ça va plus vite un peu. Sibilian Spirit. Ouais. Moins bon un peu que. Moi qui s'appelle le gros. Mais à moitié, ouais, parce que tu donnes une carte à l'autre. Ouais, ça. C'est quand même une grosse, là. Oui. Timmy numéro 2. Ouais, Tim Junior. pas ça, qu'est-ce qu'on a de table? La Balduvian Hydra, qui était un petit peu l'hydre originale. Ouais. Après ça, Destroy All White Permanent. Chut. Ça n'existe plus, ça. Les couleurs ennemies étaient vraiment ennemies à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où est-ce que tu trouveras plus de cartes comme Flashfire qui détruit toutes les plaines ou Flood ou qui tape toutes les îles ou. Ouais, c'est que c'est des. Ben, ces cartes-là existent quand même. Oui. Oh oui. T'es gros bonhomme de neige. Il est cool le dessin. À part ça dans le rouge, là. Incinerate. Ici. Jackalope. Ouais. Les orques étaient pas. Les dessins des orques étaient quand même cool. Moi, l'Orcus ben, Farmer, l'Orcus Librarian. La Vaburse, qui est un petit peu le. Ouais, mais tu pouvais pas. Lui, tu pouvais pas être prévenu ou redirigé. Il y avait comme une atteinte aux créatures directes. Bon. Mais c'est surtout elle, l'addition. Ouais. Hein. Ouais, Orcish Farmer, Orcish Librarian, qui étaient des dessins, je trouvais le fun. Orcish Lumberjack, on disait tantôt ça, un mélange de deck vert et rouge avec un direct d'un bord, un petit modèle aggro, curd, etc. Puis des cartes qu'on n'a pas vues encore, là, ça s'en vient, Alliance par exemple, mais du mana qui apparaît en surprise, etc. pour booster, saquer des laines sont déjà tapées pour aller augmenter encore plus. C'était. Là, on avait aussi l'introduction des. Des double X. Double X, là. Je pense qu'on a. On a manqué quelques sets, mais dans les double X, moi, ça commençait. Puis là, fallait être sûr de savoir, parce que, comme on a parlé de 4e édition tantôt, Ice Age avait aussi le petit livre de comment jouer à Magic. Ouais, lui, j'en ai vu un qui traînait dans la boîte au fond, Oui, c'est vrai, c'est plate, je ne l'ai pas sorti, mais j'en ai un encore. Un Ice Age en anglais, le petit livre. Un double X, il y a eu des bonnes passes d'obstinade le soir à jouer à 4 autour d'une bière à Magic avec. Non, mais c'est un X. Non, c'est mais il y a le deux fois. Non, mais là, ça m'en donne deux fois plus. Non, ça t'en prend deux fois plus. Là. etc. etc. Pyroclast. Ouais, Pyroblast. Pyroblast qui est le. Chatter qui avait été réimprimé. Oui, le Red Elemental Blast, le Blue Elemental Blast. Yeah. Puis ici, ben là, ça, ça compte pas, c'est... Ah, oui, ça va être Alliance pour la prochaine fois. Eh oui. Fait que c'était Ice Age. C'était quand même un gros set, là, Ice Age. Oui. Puis, avec des cartes qui sont encore aujourd'hui utilisées, encore un petit peu partout. Hey, sur ce, ciao. À la prochaine.